Hey, cheers, les gars. Hey, cheers! Thanks for the Cheers. Yes, sir. Yes, merci. C'est bien. Merci de me recevoir. Savais-tu déjà c'était qui toi avant, Alex? Pas du tout. Guillaume? Ben, en fait, c'est pas vrai. Je savais pas que t'étais qui. Ok. Mais du moment qu'ils m'ont montré une photo, j'ai fait tard. Ok, je sais c'est qui. Ouais, c'est bien normal et bien correct. Là, je suis pas genre la plus grosse célébrité du Québec non plus. Puis c'est quelque chose de fun, je trouve, en fait, de dire comme hey, ce gars-là, il me semble qu'il a joué dans quelque chose. C'est ça que j'ai déjà vu. C'est ça, mais pas dire genre ah, c'est Guillaume Gauthier, tu sais, comme je lui reste un peu dans l'ombre, pis ça, j'aime quand même ça. T'aimes ça, ouais? Ouais, un petit peu. Autrement dit, t'as pas fait ce travail-là, si je comprends bien, pour. Ah, me faire connaître dans la rue, puis salut, moi c'est Guillaume. Puis... Non, non. Il y a, à un moment donné, il y a un acteur, Marc-André Grondin, il a joué dans Crazy, le film, ce qui est super bon. Yeah. Puis lui, il avait dit plus on me voit, moins vous croyez à mes personnages, puis ça m'avait marqué. Oh, okay. Ah, ouais. C'est intéressant. Ce travail entre, oui, donner des interviews puis rester dans l'industrie, mais aussi rester un peu dans l'ombre. C'est cool. C'est yeah. Cool. C'est drôle parce que je pose tout le temps la question aux gens quel âge vous pensez que bon Dieu pas, mais là je fais poser la question inverse. Tu penses qu'il y a quel âge Guillaume? Ouais, qui est un peu. Ce qui est positif pour lui, je pense. Tu dois t'analyser pendant 2 heures. Ah, vas-y, du fond. Ouais, t'as vu. Quand on pose la question, c'est parce que je comprends. À cause que tu poses la question puis qu'il y a l'air d'avoir une pomme, je dirais 20. Bien dit. Mais c'est quand même fait d'avoir. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai 31 ans. Oh, ok. Ouais, j'ai eu 31 en fait au mois de septembre. C'est nice, man. Ouais. Ah ben, c'est pour vrai. Ben, cool. Merci. L'huile de coco, vous essayez. L'huile de coco. C'est déjà de la loi. De la loi. Non, je sais pas, c'est des gènes. Mais, tu sais, c'est ça, dans ce métier-là, des fois, ça sert pour le fait que je peux jouer des plus jeunes personnes. Ouais. Mais j'ai une maturité dans mon travail. Mais là, je commence à être entre les deux où j'ai hâte de jouer comme un avocat, un policier, un père de famille. Mais... T'as-tu vu, mettons, des rôles, tu te fais approcher pour dire hey, je veux que tu joues un gars de 18. Ouais. Puis là, t'as 32. Là, ouais. C'est pas le cas, mais t'as donné un exemple de même? Ben, ça, tu sais, là, je joue dans une série jeunesse, on a comme pas vraiment d'âge, mais on sous-entend qu'on a comme 16-17 ans. Okay. Dans l'adolescence. Ouais, c'est ça. Puis. Sinon, ben là présentement, je suis souvent casté pour des entre 20 et 25 ans. Ok. Ouais. Mais 20-25 ans, il n'y a pas beaucoup de rôle pour les 20-25 ans. C'est souvent 20 ans et moins. Ok. Ou 30 ans et plus. Ok. Tu sais, comme il y a comme un gap weird présentement. C'est vrai. Ouais. Mais c'est quoi, tu fais une série en ce moment? Ouais, là, on finit la 4e saison d'une série jeunesse qui s'appelle Macignum, qui est à Radio-Canada. C'est vraiment fait pour les 8-12 ans, mais c'est style aventure. Ouais, c'est ça, t'as fait un story, je pense, où c'était sûrement la sortie de la 4e saison. Exactement, ouais, il y a des petites cascades, il y a beaucoup d'action. Ok. C'est cute au bout. Ouais, j'ai vu ça, j'étais genre, ça a l'air drôle. C'est ça, là, quand tu me dis que c'est 8-12 ans, je comprends, parce qu'au début, j'étais comme, c'est pas le genre de truc que tu t'aurais fait comparé à ce que t'avais fait déjà avant, je pense. Non, exactement, mais tu sais. Moi, je trouve qu'il en manque là, au Québec des séries d'aventure. Puis souvent, le mot aventure est relié à jeunesse. Malheureusement, je trouve que pourtant, on écoute tellement de films hollywoodiens d'aventure, comme Jumanji, c'est fait pour. C'est vraiment pas jeunesse. Mais non, c'est ça. Pour toute la famille. Exactement. Fait, pourquoi on pourrait pas faire ça au Québec? Ouais. Ben là, bon, là, c'est dans un carcan jeunesse, mais éventuellement, j'aimerais ça, un film d'aventure jeunesse. Au Québec, là, c'est vrai. Ça serait cool, ça te fait pratiquer des choses différentes. Exactement. Mmh. Exactement. Et si tu disais que t'avais pas fait ce métier-là, parce que je crois que c'est un fait qu'il y en a beaucoup qui font ce métier-là pour avoir la reconnaissance des gens, puis veux-tu des photos avec moi? Ouais. Mais si t'as pas fait ça pour ça, tu l'aurais fait pourquoi? Par passion, là. Par passion. Simplement par passion, parce que c'est tellement. Ben, tu peux en témoigner, je pense. C'est un métier passionnant, comme de. Tu peux tout faire les métiers en un métier, tu peux parler de toutes les façons en faisant plein de personnages, tu peux être habillé de plein de sortes. Je veux dire, c'est tellement se métamorphoser dans une vie en faisant plein de vies. Ouais. Fait que moi, c'est ça que je trouve passionnant de ce métier-là, c'est approfondir chacun des personnages, chacun un background différent. C'est l'inverse d'une job d'usine, mettons, où tu es toujours prêt à faire la même affaire. Ouais, exactement. Les horaires sont tout le temps différents. Un jour de la marmotte. Ouais, c'est ça. T'es loin de ça. Puis, faut être prêt, là. C'est vraiment instable comme métier, ça, c'est certain.
quand ça marche, ça marche. Puis, tu sais, pour démystifier ça, puis déstigmatiser ça, tu peux vraiment bien vivre de ce métier-là au Québec. C'est juste qu'il faut que ça marche. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est starter ta carrière, en fait, qui est difficile. De faire un nom un peu. Exactement. Puis après, une fois que tu rentres dans l'industrie, tu as accès à toutes les auditions. Puis là, c'est à toi de performer dans les auditions, puis de faire ta place là-dedans. C'est cool. Est-ce que c'est difficile de rentrer dans l'industrie au Québec, dans le domaine acting? Oui. Ouais. Oui. Oui, il y a comme beaucoup de participants un peu délus, tu sais, malheureusement. C'est un petite industrie au Québec, mais c'est comme le dernier debout qui gagne. Hunger Games. Ouais, un peu Hunger Games, mais tu sais, on essaye que ce soit pas mesquin puis track, là, dans le sens qu'on... Je pense que tout le monde de l'industrie s'aime beaucoup, mais ça reste que... Oui, non, c'est tough, là. Tu sais, moi, j'ai fait l'École nationale de théâtre, puis... C'est l'École nationale de théâtre du Canada, c'est réputé, mais t'as une personne par cohorte qui va travailler dans l'industrie du Québec. Là. Okay. Fait que c'est assez trade quand même, t'as beau faire tes études là-dedans, t'as beau mettre de l'argent, du temps, ça veut pas nécessairement dire que ça va marcher. Mm. Après ça, c'est un concours de circonstances, ton casting. Oui, en effet, les contacts, c'est sûr que ça peut jouer un peu. Ok. Ouais. Attends, avais-tu des plugs, des contacts qui t'ont fait peut-être... prendre un raccourci. Le contact serait pour avoir rentré dans une agence, être rentré dans une agence. Ça, c'est vraiment peut-être le seul gros contact que j'ai eu. C'était ma voisine, j'étais enfant. Elle a fait comment tu serais intéressé à devenir comédien, je peux le proposer à la même agence dans laquelle je suis. Puis elle a dit, ah, ok, ouais, j'aime son énergie, on va l'essayer. Puis comme de fait, j'ai pas eu des contrats quand j'avais 9 ans puis 12 ans. Fait que là, elle a fait, bon, ok, il pourrait, tu sais. Ouais. Fait que... tes premiers contrats, c'était à 12 ans? Ouais, dans la série Grand Ours, la saison 1. Hey, j'étais kid, là. Puis le film Idole instantanée, quand j'avais 12 ans. Là, ça, c'était mon premier gros truc, là, tu sais. Gros cachet, 15 ou peut-être 18 journées de tournage, quand même. OK. Puis, ouais, c'était un film, là, c'est quand même le fun à pogner. C'est un film québécois. Oui, exactement. Avec l'humoriste Claudine Mercier, qui faisait 4 personnages. Okay. Puis c'était comme une parodie de Star Academy. Star Academy commençait à cette époque-là. Okay. Fait que là, c'était vraiment comme une grosse satire de ça. C'était OK. C'est ça. Fait que oui, grosso modo, ça m'a permis de rentrer dans l'agence assez facilement. Puis ça, rentrer dans une agence, c'est difficile au Québec. Mais sinon, autrement ça, quand t'es appelé aux auditions, t'es au même niveau que tout le monde. Là. Faut que tu te démarques. Peu importe ça, j'ai fait deux auditions. Non. À deux agences différentes. Ah ouais? Étant plus jeune. Ah ouais? Ouais. Ah, c'était pourquoi? C'était-tu des pubs, des trois ans? Ben, vraiment pour juste m'embarquer un peu dans ce domaine-là. Okay. Moi aussi, j'aurais peut-être une chance d'être accepté. J'ai été accepté. Bravo. Pas la première fois, la deuxième. Ok. J'ai jamais continué parce que c'était coûteux. Ah ouais, ça. Ouais. Ouais, ben surtout quand tu commences, c'est certaines agences qui vont demander un certain cachet pour montrer que t'es motivé. Mais une fois que tu rentres dans. T'sais, il y a beaucoup d'agents plus adultes, mettons, qui sont pas supposés demander de l'argent. Là. C'est par rapport à combien tu vas faire, ils prennent 15% de ce que tu fais dans le monde. Fait qu'ils veulent que tu travailles parce que si tu travailles pas, eux ils ont pas d'argent. Je comprends. Oui, c'est ça, c'est une bonne alternative. Il y a deux auditions, je l'ai faite. Une. Une? Ouais, c'est ça, c'était pas cool. Moi, je te l'avais jamais dit. Non. Ah, nice. Début COVID en fait. Ouais. Okay. Donc, début COVID, c'était pour un premier rôle. Nice. Puis dans le fond, ils cherchaient un skater. Puis genre, je suis dans l'industrie du skate. Ils cherchaient un skater qui avait quand même des bonnes bases. Nice. Puis on connaissait gros les gars de Montréal, puis ils nous avaient comme référé. Ok. Puis j'y étais allé, j'étais genre pourquoi pas, ça a l'air cool, tu sais, sortir de ma zone de confort, essayer quelque chose que j'ai jamais essayé de ma vie. Puis ça a donné que j'ai fait l'audition. En fond, ils cherchaient un skater, puis c'était pour un film où l'acteur principal, il allait en Afrique. En Afrique, ouais, quand même, j'étais quand même étonné, tu sais, pour un film québécois. Ouais. Je m'en rappelle plus du réalisateur, je te le dirais, c'est sûr que tu connais. Ah, c'est normal. Mais whatever, tu sais, j'ai fait la de Chinese comme expérience. Ouais, j'ai trippé. C'était stressant. Mais tu sais, je suis rentré, c'était chez le producteur directement. Ok, cool. Puis tu sais, j'étais la dernière personne, je pense, à le faire. Donc, moi, j'étais tranquille avec la personne qui recevait tous les invités. Fait qu'elle m'a comme déjeuné. C'était vraiment fun. C'était tard le soir aussi. Ok. C'était pas dans le gros rush, mais c'était cool. Ben, c'est une expérience pour une audition. C'est la partie la plus stressante du métier parce que tu joues un peu un rôle finalement, tu joues un contrat, c'est beaucoup, tu sais.
Mais à un moment donné, mon agente, elle m'avait dit quelque chose qui m'a full changé la... qui a changé ma mentalité par rapport à ça. Ouais. Elle disait, tu sais, comme, une partie de ton travail, c'est d'aller faire une audition. Ouais. Fait que dans le fond, prends-le comme si t'avais un 15-30 minutes de tournage. Fait que t'es pas censé attendre des résultats, t'es juste censé aller performer puis t'amuser comme si c'était un vrai tournage, sans le stress de je vais-tu avoir le rôle ou pas, t'sais. Puis ça avait vraiment changé ma mentalité. Si tu l'avais déjà, le rôle. Ben, comme si c'était ça le rôle, finalement, c'était cette audition-là, ça c'est le rôle, tu sais. Puis après, le reste, c'est du bonus. Le producteur, c'est J. Ok. J. C'est sûr, tu sais qui. J. quelque chose. Ok, je sais pas. C'est sûr, tu sais qui. Non, c'est pas quoi ça. Je vais trouver en attendant. Okay, okay. Mais une question qui popait en tête, est-ce que t'as déjà eu un premier rôle, t'as dit? Oui, en fait, depuis ma sortie de l'École nationale de théâtre, justement, j'ai eu un premier rôle dans une série qui était pour Sarah, qui est maintenant disponible sur Netflix d'ailleurs. Je voulais l'écouter. On parlait de ça avec Baudou Santo, j'étais comme fou. Il aurait fallu que je l'écoute avant de faire l'épisode. Mais je me l'étais mis dans la liste parce que je pense que t'avais fait un story comme quoi c'était sur Netflix. Fait que j'étais comme let's go. Ouais. J'avais hâte de voir ça, mais. Ben, c'est sûr. Bah, c'est gentil. Mais ouais, pour ça, m'a un peu propulsé dans cette industrie-là, justement. Puis ça, c'était vraiment un gros premier rôle. Puis depuis ce temps-là, tu sais, comme mon agente, elle considère que je suis rendu là. Fait que maintenant, les rôles que je décroche, c'est tout le temps des premiers rôles. Ok. T'sais. Ah ouais. Ouais. C'est ça. Après ça, j'ai eu la série O, qui a duré. Ça a été populaire. Ouais, ça a été assez populaire. Puis c'était quand même un gros rôle. C'était avec Guinadon. C'était des gros noms. Puis je vais juste plugger un dernier truc. Ouais. Une série qui va sortir au mois de mars sur Série Plus. On espère qu'ils vont sortir leur plateforme numérique, mais qui va s'appeler Haute Démolition, qui est basé sur un roman québécois écrit par Jean-Philippe Barry-Guerrard. C'est incroyable comme histoire. Ça prend le prétexte de l'univers des humoristes pour dépeindre un peu la réalité toxique des artistes dans l'industrie. Puis l'humoriste est un prétexte. Faut pas avoir des ennemis. Ça pourrait être des acteurs, ça pourrait être des chanteurs. C'est juste que là, ils ont pris des humoristes, mais... C'est malade comme série. Ça va être 6 épisodes de 1 heure, puis c'était un gros rôle qui est un gars qui va se faire hashtag MeToo, justement, le rôle. Puis c'est quelque chose de jouer ça. C'est important d'en parler, c'est important de montrer cette réalité-là pour que des gars réfléchissent à comment ils sont avec les filles, etc. Donc voilà. Oh. Pourquoi ça a fait une séquence? Ouais. Pas normal, c'est... Je me le demande. On... T'avais-tu formaté les cartes? Formaté? Ça doit être pour ça. Mais moi, la question qui me popait tantôt, c'est... Là, t'es prêt pour des premiers rôles, c'est ça? Ouais. C'est tout le temps ça que tu vises en ce moment? Ouais, maintenant, c'est toujours ça. Mon agent, t'as reçoit ce qu'on appelle des breakdowns. Ben là, je vulgarise pour les gens qui savent pas c'est quoi, vous savez sans doute c'est quoi, mais les breakdowns, dans le fond, c'est les directeurs de casting, ils envoient à nos agents, mettons, on cherche, un garçon entre 20 et 25 ans pour jouer un rôle de bad boy, puis là, la description du personnage, fait que ça, c'est un breakdown, fait que maintenant, mon agent m'envoie juste ses breakdowns pour les premiers rôles. Dans le fond, l'agent, elle sert vraiment d'intermédiaire, elle reçoit tous tes breakdowns. Exact. Qui fit avec ton profil. En fait, elle reçoit tous tes breakdowns. Okay. Puis elle va filtrer pour les acteurs, justement. Mais des fois, les agents de casting veulent voir des personnes en particulier, mettons. Okay. Puis là, le travail de l'agent, ça va être de pousser pour qu'elle me voit aussi, même si le directeur de casting n'a pas nommé mon nom. Là, mon agent, elle va dire, « Mais Guillaume Gauthier, je le vois bien là-dedans. Vous devriez le voir en audition. Regardez, il y a son démo sur la page et ses photos. » Fait que là, après ça, c'est l'ultime but aussi. Là. C'est l'ultime. Tu l'engages pour ça, pour qu'elle pousse vers quelque chose que toi, t'es plus dans. Exactement. Tu lui dis aussi au début, « Moi, j'aimerais ça faire ça. » Ouais, exactement. Ouais, mais ça m'amène à tu dis premier rôle, mais... Il y a une différence entre un premier rôle et un rôle principal. Okay. Ça, j'en ai jamais eu. En fait, j'en ai eu dans des séries jeunesse, des rôles principaux, mais j'en ai jamais eu dans une série, on va dire, d'adulte. Ok. Ah, je savais pas qu'il y avait une différence entre les deux. Ouais. C'est bien de l'expliquer. Fait que ça, ce serait un but, en effet, que dans le fond, le rôle principal, c'est l'histoire tourne autour de ce seul et unique personnage-là. Fait que le meilleur ami de cette personne-là, ça peut être un premier rôle. Exactement. Okay, cool. Sauf que ce ne sera pas le rôle principal. Ok. Ouais. Mais tu restes quand même dans les têtes d'affiche du film. Okay. Ouais, c'est bon à savoir. Imagine que tu avais un rôle précis dans la vie à avoir. Ce serait quoi? C'est quoi ton dream role? Je suis pas sûr que ça va se faire au Québec. Ouais. Mais c'est sûr qu'un
un rôle dans lequel moi-même je me sens imprévisible et que donc le public va me sentir imprévisible, c'est sûr que donc ce serait un rôle qui frôle peut-être la folie, qui est un peu fou, qui... Le Joker dans Batman. Ben, tu sais, c'est sûr que si on veut aller dans la fiction-fiction, ce serait un genre de Joker. Oui, exactement. Oui, c'est une super belle image, en fait. Un genre de Joker, mais d'une façon réaliste. Okay. Cool. Peut-être un fou, justement, sur lequel la police enquête sur un tueur en série, justement. C'est un méchant. As-tu vu le film... Ben, le Joker, justement. Oui, avec Joaquin. Ah oui, wow. C'est un rôle incroyable. Mais oui, parce que justement, tu vois... Ils ont fait un méchant dans un contexte fictif, dans un monde réaliste. Ouais. Fait qu'après ça, t'es comme, mais attends, on y croit au Joker, c'est une vraie maladie, qu'il a. Puis là, attends, il est schizophrène en même temps, il s'imagine des affaires, puis là, t'es là, wow, ça se peut. Ça fait moins filmé à la super-héros comme on a tout le temps vu. Ah, vraiment, exactement. Ça fait genre, ça se peut que ce soit un gars que j'aille pris l'autobus avec. Là. Exactement, tu sais, ça se pourrait faire. C'est bon, ça. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, mais c'est cool, je trouve, on a de plus en plus des rôles comme ça. Des films comme ça, avant, ça se faisait moins, je trouve. Ouais, ouais. Oui, ça se faisait vraiment moins. De rentrer vraiment dans le deep psychologique de la personne, pourquoi qu'elle est rendue comme ça. Oui, exactement. Pourquoi elle est rendue comme ça? Tu sais, il y a des raisons. Puis, depuis la pandémie, on entend tellement parler. Hey, on pense, par exemple, je sais, c'est un peu dark, là, mais le gars qui s'est déguisé en samouraï à l'Halloween, puis qui est allé à Québec, je veux dire, attends, là, ça, c'est un psychopathe. Là, on pourrait faire un film, là. C'est capoté comme histoire. C'est pour ça. Fait que Tu mets un peu de chair autour de l'os, puis tu crées un background et tu as un film au complet. Et pourtant, on dirait, eh ben non, c'est une fiction. Tu es comme, ouais, mais attends, ça s'est vraiment passé. Puis je trouve que l'art sert à ça, justement, comme montrer que c'est vraiment quelque chose que c'est du vraiment quotidien. Exactement, que ça se peut dans le quotidien. T'sais. Fait que tout ça pour dire que ouais, ça serait un dream. Ça ou genre un rôle principal avec une histoire d'amour. Là. Okay. J'aimerais ça. Genre un cliché de film. The Notebook, là. Ouais, t'sais? C'est ça que j'allais dire. Ah, exact. Oh, ouais. Oh, ouais. Ça, j'aimerais bien ça aussi. Ouais. Ça doit être beau à vivre, ça. Ben oui, ouais, c'est ça fun. Tu vas vraiment dans des gros sentiments, tu sais. Tu vas dans les pleurs, t'es fâché, l'amour, la passion. Je vois, c'est des beaux... Bon truc émotionnel. Tu fais puis tu l'ajoutes sur Instagram. Puis, ah ouais, et voilà. Et voilà. L'invite à souper, c'est ça. Exactement. C'est ça, exactement. Dans le domaine de l'acting, c'est quoi que tu penses qui est le plus dur à réaliser? Est-ce que ce serait justement les émotions amoureuses? Est-ce que ça serait de recréer le drame chaotique dans le psychologique d'un individu? Genre, ça serait quoi, tu penses? Ou pour quelqu'un en général? Ouais, ouais. C'est vraiment une bonne question, pour vrai. Là. Je pense que oui, je pense que c'est ça, c'est d'aller, comment dire, d'aller dans la vérité de l'émotion. C'est ça qui est difficile parce que pour les gens à la maison qui ne savent pas, je veux dire, on reprend des scènes 15, 20, 25 fois des fois, puis tes larmes, il faut qu'elles soient comme si c'était la première, puis il faut que ça soit si c'était vrai. Ouais. Tu sais, comme là, t'as 20-30 personnes autour de toi aussi. Là. T'as le perchiste, le caméraman, t'as les accessoiristes, t'as plein de monde autour de toi. Puis toi, faut que tu gardes dans ta bulle que t'es en train de vivre un drame avec une personne. Pour la première fois. Pour la première fois, même si c'est la 20e fois que tu fais la take. T'sais. Fait que je pense que ça c'est quand même un gros défi dans ce métier-là. Mais je pense que ce que le monde... Tu sais, comme notre job, c'est de pleurer, rire, d'avoir des émotions. Là, mais ce que le monde ne savent pas, c'est qu'il y a un gros travail à travers le personnage qu'on fait à la maison. Ouais. Tu sais, personnage, ça ne veut pas dire genre bouger de même. Là, personnage, ça veut dire, c'est un gars qui est jaloux dans telle ou telle situation. C'est un gars qui est empathique dans telle ou telle situation. Tu analyses ce personnage-là, puis après ça, dans chacune des situations que ton personnage va vivre, ben, tu vas mettre cette couleur-là que tu as trouvée à la maison. Ça, c'est beaucoup de temps à chercher, à creuser dans le texte. Puis ça, souvent, comme on n'en parle pas assez, je trouve. C'est un gros travail à la maison. Tandis que pleurer, c'est super difficile, mais c'est quelque chose qui se fait sur le moment. C'est pas quelque chose que j'ai préparé à la maison. Ouais. Tandis que tout le travail à la maison, ça, c'est des heures et des heures. Puis tu veux, comme tu as dit tantôt, mettre de la chair autour de l'os. C'est ça qui est intéressant. Là, tu me fais penser à une question qui m'a toujours été vraiment une question que je me pose. As-tu ce talent-là de te faire pleurer? De même, c'est bon ça. Moi, je trouve ça plus dur rire que pleurer. Ouais. De façon vraiment honnête, comme un vrai rire. Oui, parce que pleurer, il y a une façon technique de le faire. Okay.
Dans le sens que... Couper des oignons, mettons. Ben, tu sais, pour vrai, ça peut être ça, là, c'est ouais. calme, mais les maquilleurs, maquilleuses sur les plateaux de tournage, ils ont toujours des kits pour faire pleurer. Des fait gouttes que... ou... Ben, des fois, c'est des gouttes. Des fois, c'est un truc qui souffle dans ton œil. Okay. Des fois, c'est même juste une espèce de vix faite pour l'œil qu'ils okay. mettent ici. Puis qu'au bout d'un certain moment, ben, crime, ça chauffe, fait que tu pleures. Oh, ouais. Fait qu'après, après, ça, c'est le truc physique. Mais ce qui est important pour l'acteur, c'est de trouver le truc à l'intérieur de toi. Ouais, parce que moi, je sais que c'est très cinématographique, puis on le voit tout le temps, puis peut-être qu'il y a du monde qui aime ça. Moi, j'aime pas ça, mais juste de rien faire, puis qu'une larme qui coule, je suis comme, qui fait ça? Il y a pas grand monde qui font ça dans la vie. Dans le sens, c'est quand tu pleures là, t'es pas beau, là, tu grimaces, il y a des respires saccadés, il y a des choses physiques. Que c'est douloureux, ça. Là. C'est ça le défi à aller chercher. T'sais. Pour mettre la différence entre un rire de joie et un rire de. Ben, c'est, le rire, tristesse. Il est plus difficile. Il faut qu'il soit simple. Je veux dire, mais toi, tu parlais de joie, oui, c'est ça. De tristesse. Ben, c'est ça, il va être différent, la pleure de joie et la pleure de tristesse. Hein. Ouais. Puis même tristesse, attends, quelqu'un qui te laisse ou quelqu'un qui meurt ou juste deux, tu viens de te faire mal. C'est des affaires complètement différentes. Est-ce que quand tu as un rôle, tu te mets dans ce personnage-là dans ta vie normale aussi. Le method acting qu'on appelle. Non, moi, je suis pas comme... Non, je pense pas que... Je pense que quand c'est coupé. Le personnage, il tombe. Ouais, okay. Mais quand on dit... c'est sur un plateau, ils disent on fait rouler les moteurs. Là, ça veut dire le son, la caméra commence à rouler. Mm-hmm. Moi, à partir de ce moment-là, je me mets dans le personnage. Ah, okay. L'action n'est pas partie, mais je sais que là, on va être... Dans peut-être 30 secondes, on va être en mode jeu. Fait que là, oui, tu sais, là, dans Anna et Arnaud, par exemple, on jouait des gens qui fumaient beaucoup de crack, qui sont constamment sur la drogue. Okay. Fait que, mettons, ils disaient, on part les moteurs. Ben, tout de suite, je me mets dans cet état-là, puis je suis de même. Fait que là, quand l'action part, t'es déjà dans un état. C'est pas d'une seconde à l'autre. Ben non, tu sais, 3-2-1 action, tu te changes. Il y a comme quelque chose de trop drastique pour moi, en tout cas. Ouais. Fait que, mais une fois que c'est coupé pour moi. Okay. Le personnage, il s'en va. Je sais qu'il y a des acteurs vraiment plus connus qui, mm-hmm. qui poussent ça vraiment plus à l'extrême, mais ça dépend aussi du rôle, je pense. Là. Exactement, ça dépend du rôle, puis j'ai l'impression que c'est beaucoup à Hollywood où ils ont le temps et l'argent de le faire. Mm-hmm. Au Québec, il y en a peu qui font ça parce qu'on n'a pas le temps au Québec. Ça roule les plateaux de tournage au Québec. C'est rapide. C'est très, très rapide. Fait que tu sais, t'as... Puis le comportement au Québec, justement par le fait que c'est rapide, joue pour beaucoup. T'sais, moi, quelqu'un qui me dit « non, tu peux pas me parler », t'es comme « oh, ok », ça crée des frictions un peu sur un plateau où il faut que ça gaule. Okay. Tandis qu'à Hollywood, les acteurs, entre les takes, ils s'en vont dans leur loge, eux autres. Puis même pour tester les éclairages, le focus ou des trucs comme ça, ben c'est même pas eux qui sont là. Fait qu'eux, pendant ce temps-là, ils sont en train d'être dans leur personnage. Ils ont le temps de faire ça. Au Québec, on n'a pas beaucoup de temps, faut que ça soit quick. Mais peut-être qu'il y en a que je connais pas. Je savais pas, c'est intéressant de savoir ça. Ouais, puis mais c'est une méthode qui m'intéresserait d'essayer, mais l'affaire c'est que je veux pas faire chier mes camarades de travail, tu sais, je veux pas avoir l'air de faire chier tout le monde, fait que tu sais comme il y en a plein, c'est Daniel Day-Lewis qui jouait dans le film Lincoln, il jouait le président Abraham Lincoln, puis il voulait qu'on l'appelle Mr. President sur le plateau, tu sais, je suis comme attends là, c'est se mettre sur un gros piédestal. Je comprends là, la méthode, mais je pense que là, la technique de l'acteur, c'est de différencier son rôle de la réalité. Parce que j'ai posé cette question-là parce que je regarde une série avec mon coloc en ce moment, ultra dramatique sur Netflix. Je ne sais pas si tu as vu. C'est un psychopathe là, complètement qui tue des gens. Oui, tout le monde m'en parle de cette série-là. Je veux le voir. Okay. Tu te dis, tu vas aimer ça. Mais je ne l'ai pas vu encore. C'est quoi? C'est vraiment creep. Là. Le nom? Je m'en rappelle plus. C'est un mot, hein? Ouais. Je vais la trouver en deux secondes. Parce que... C'est la première sur Netflix. Pour l'auditoire. Mais... C'est nouveau, le rack? Ouais, c'est nouveau. Oui, je sais tout vraiment. C'est ça pour dire que ça va sûrement être la première. Dahmer. Oui, c'est ça. Ouais, Dahmer. C'est ça, Dahmer. Puis, ce gars-là, tu sais, sa face, ça ressemble exactement à un bon psychopathe. Ah, ouais. Mais tout ça pour dire qu'apparemment, cet acteur-là, il a vraiment dû être en suivi avec des psychologues et tout pendant le tournage, juste pour être sûr qu'il est correct. Mm-hmm. Tellement que le personnage qu'il a dû incarner est vraiment deep. Là. C'est fou, ça, pareil. Mais c'est... Ouais, je peux comprendre. C'est vraiment un métier particulier parce que tu plonges quand même dans tes sentiments intérieurs. Puis, écoute, Non, mais on parlait de méthode acting. Ouais, exact. Puis je disais juste que
c'est une bonne technique à utiliser, mais c'est peut-être un peu too much. Puis, mm-hmm. puis là, je faisais le parallèle à, c'est quelque chose comme quand t'es comédien de te lancer dans un rôle. Parce ouais. que, puis là, j'allais donner comme exemple dans Haute Démolition qui va sortir au mois de mars à Série Plus. Je joue quand même un gars qui est très, très, très dégueu avec les filles. Puis quand tu finis la take, tu fais. Mais je viens de le vivre quand même. Ouais. C'est, ça fait mal à faire quand même. T'sais. T'sais, ma bonne amie qui est Ludivine, justement, je me rappelle, elle m'appelait après des scènes de figures. Puis t'es comme, hey, j'ai comme besoin de décompresser, là, d'en parler. C'était, mm-hmm. C'est des scènes. Je veux dire, même si c'est de l'acting, le but c'est de le vivre pour vrai. Ouais, ouais. Le fait plus réalistique possible. Exactement. Il y a quelque chose là-dedans que si tu vas plus loin et que t'es dans le méthode acting, là c'est du réaliste. Là. Fait que moi, en tout cas, je pense que ça me ferait trop mal ouais. de vivre ça à 100%. Ouais. Mais c'est pour ça que j'allais dire, comme ton gars dans ta série Netflix, je peux comprendre que ça demande, après ça, surtout à Hollywood, encore une fois, ça demande peut-être de faire genre, ouh, je suis qui là-dedans? Mm-hmm. Le monde de District 31, là, il y a Stat, là, mais on va parler de District 31, c'est du monde qui tourne à peu près 250 journées de tournage par wow. année. Wow, wow. Fait que okay. tu t'imagines, c'est quoi ta vie? C'est que ça, puis tu ouais. reçois les textes chaque semaine. Puis t'essaies de te démerder là-dedans dans ton personnage. Tu joues plein de rôles différents. Exactement. D'une semaine à l'autre. Tu joues le même rôle, mais je veux dire, tu joues plein de situations. Mais des fois, il y en a qui ont des castings, qui ont comme deux castings pour une série, un film en même temps. Oui, deux séries ouais, différentes. Veux dire, oui, ça. Ça doit être chiant, ça. Ben, c'est ça. Tu sais, faut après ça, faut distinguer lequel est lequel. Mm-hmm. Puis à travers ça, faut que tu distingues qui es-tu à travers ça. Oui. Tu deviens okay. trois personnes différentes. Ben, c'est ça. Puis moi, je dis tout le temps, plus je m'éloigne de moi dans mes rôles, plus j'aime ça. Parce que c'est ouais. là le défi, tu sais. Ouais. Si je me joue moi-même, c'est le fun. Il y a une facilité, il y a quelque chose de réaliste, mais c'est moins un défi. J'ai vraiment là. L'impression que t'as la communication skills est vraiment acquis quand ouais. t'es un acteur, tu sais. Moi, je me suis tout le temps dit, tu sais, parce que je t'avais parlé d'acting, comme quoi j'aimais ça. Ouais. Je m'étais dit, si je peux commencer à faire de l'acting vers 30 ans, j'aurais comme accompli le fait que ma communication est on point. J'ai l'impression que quand t'es acteur, ça veut juste dire que t'es vraiment bon dans le relationnel, puis dans justement pouvoir essayer plein de rôles, pour essayer plein de choses différentes. Sortir de ta zone de confort qui n'a pas rapport avec ta personne. Genre. Ouais, ouais. Fait que j'étais comme, en tant qu'acteur, man, t'as un gros skill. Ben, premièrement, je te le souhaite, man. T'as un parler quand même qui utilise un vocabulaire qui est riche. Là, ça ah ben merci, ouais. merci, c'est gentil, merci. Ben tu sais, c'est pardon, être acteur, c'est aussi être curieux. Hein, parce que ouais. je veux pas, tu te dis comment on pratique notre métier, comment un acteur pratique son métier. T'sais. Quand t'as pas de contrat, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Ben, après ça, c'est là où la curiosité est l'outil de l'acteur. Je m'en vais m'informer sur plein de choses. Je m'en vais faire plein de sports, je m'en vais apprendre des nouveaux mots, apprendre des accents, n'importe quoi pour justement que ton cerveau se garde actif pour que justement quand j'ai une audition pour faire whatever, n'importe quoi, je vais être capable de le faire tout de suite. Parce que t'as, au préalable, t'as eu des moments de, c'est ça. D'apprentissage sur ces sujets-là. Exactement. Magnifique. Être acteur, ça veut dire aimer la vie. Aimer la vie, ouais, faut que t'aimes la vie en yeah. merci. C'est ça. Oh, vraiment. C'est vrai, ben merci. Ben je te le souhaite pour vrai. Yeah. Parce que c'est t'abordes un sujet qui est quand même, je trouve cool, par le fait de la communication, puis qui, je trouve, selon moi, il y a un grand manque de communication dans notre société, ouais. qui de plus en plus s'en va vers l'avant. Là, ouais, mais c'est quand même quelque chose qui puis je trouve que l'acting, comme tu l'as dit, passe par la communication, ouais. apprendre à c'est quoi de la tristesse, tu sais, la base, là, ouais. c'est quoi la joie, qu'est-ce qui vibre dans mon corps quand je ressens, quand je suis fâché, nanana. Puis si tout le monde pouvait suivre des petits cours d'acting sans être acteur, là, c'est pas ça nécessairement, mais c'est juste que selon moi, ça créerait une meilleure communication de face à nos sentiments, ouais, justement. Tu te découvres toi-même. Exactement. Ouais. Exactement. Mais c'est ça, quand tu te découvres toi-même, j'ai l'impression que faut que tu aies aussi vécu beaucoup de choses dans ta vie avant de pouvoir faire peut-être des choses que tu n'aurais jamais fait avant pour faire comme, OK, là, je peux le faire, sachant que je m'en rappelle. Dans cette rupture-là, je l'ai vécu un peu. Ouais. Puis là, tu te remémores un peu dans quel mood tu étais dans ce temps-là. T'sais. C'est fucking intéressant ce que tu dis parce que justement, tes rôles te suivent par rapport à où tu es rendu dans ta vie. Puis comme, je vais prendre, moi, je connais pas tout le monde dans le métier, mais je vais prendre l'exemple sur moi. Mettons, ouais. je sais que dans Pour Sarah, je joue un party animal, puis je graduais de l'École nationale de théâtre, puis j'étais vraiment dans un mode party. Fait que j'avais cette facilité-là à aller chercher. Moi, j'étais rendu là, fait que mes rôles étaient aussi rendus là. Après ça, tu mûris un peu plus, puis là, j'ai vécu, par exemple, une histoire d'amour qui était très déchirante pour moi.
Puis on dirait que justement dans la série O, j'avais plein de scènes de coupes et des affaires. Puis on dirait que les émotions venaient plus facilement parce que j'avais découvert cette maturité par rapport aux ruptures, à la communication dans un couple. Dans ta vraie vie à toi. Dans ma vraie vie à moi. Dans ta vraie relation. Fait qu'il y a toujours ça qui te suit, tu sais, par rapport à... Il t'arrive un drame dans ta vie, ça va te suivre quand même, tu sais. Je veux dire, si tu joues au théâtre ou si tu tournes cette journée-là puis il t'est arrivé quelque chose la veille, ben, tu peux pas lutter contre ça. Il faut que tu apprennes à mettre cet état-là dans ton rôle, tu sais. Tu peux pas... Will Smith, j'avais vu une interview sur Will Smith il parlait à son fils Jaden, puis là, dans une conférence, puis il disait exactement que quand tu es dans une scène où justement quelqu'un meurt, exemple, tu dois vraiment te mettre dans la peau que c'est comme si c'était ton fils qui mourait. Ou exactement. Tu dois vraiment te mettre dans l'état de la personne, mais un peu te mettre ton côté à toi aussi dedans. T'sais. J'aime beaucoup ce que tu dis, d'après moi, c'est super important, mais il y a quelque chose d'important aussi, c'est de pas. Selon moi, c'est de pas aller. Il y en a que c'est leur méthode, ça leur appartient, moi, c'est pas la mienne. De pas se mettre dans un état de se souvenir des choses. Okay. Parce que c'est pas une psychanalyse ou comment dire? Tu veux pas te faire mal non plus. Ben, exactement. C'est pas te mettre dans une situation où t'es pas bien. Ben non, tu veux pas te rappeler d'un souvenir qui est toxique pour toi. Puis de toute façon, tu serais pas dans le moment présent. Tu sais, ce qui compte, je pense, dans une... Tu penserais à ce souvenir-là. Ben, exactement. Fait que t'es pas avec ton interlocuteur, t'es vraiment... juste dans tes souvenirs à toi, donc t'es tout seul dans ta bulle. Alors que si tu te plonges dans, mettons que c'est une rupture, tu te plonges dans l'œil de l'autre personne puis tu le vois dans ses yeux qui t'aime plus, ben c'est là le moment. Tu vas dans ton corps chercher qu'est-ce qui s'est passé dans mes ruptures personnelles, mais j'essaie pas de me souvenir de la fille qui m'a brisé le cœur. Non. J'essaie vraiment d'être avec l'autre personne puis c'est ça qui fait réagir l'émotion. T'sais. Magnifique. Okay, ouais, c'est ça. Magnifique. Mais non, mais Will Smith a raison. Il faut quand même aller. Faut s'imaginer les affaires. Faut avoir une imagination très fertile quand t'es acteur. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais. Tu te considères-tu comme une personne qui a beaucoup d'imagination? Beaucoup. Ouais. Oui, beaucoup. J'adore ça, m'imaginer n'importe quoi. Genre, c'est bon, c'est j'aime ça, les jeux de genre. Hey, imagine-toi si. Tu sais, mettons, t'es sur l'autoroute, puis là, tu fais genre. Hey, tu vois genre un crash d'avion loin. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu coupes ton chemin, tu t'en vas là, t'appelles-tu 911, tu filmes-tu, tu sais, puis là j'aime ça m'imaginer des situations. Moi, je suis comme ça. Ah vous? J'adore faire ça, me créer plein de scénarios. Oui, c'est ça. C'est drôle. C'est tellement fun. Que Rémi, il passe sa vie à faire des scénarios. Ah oui, c'est vrai? Ouais, tu vois, c'est, voilà, c'est pour ça que t'as l'instinct d'acteur. Mon côté plus créatif. Ben c'est ça, tu sais. Vraiment. As-tu, à tes tout débuts ou encore aujourd'hui, as-tu des inspirations, des gens que tu t'es dit, c'est à cause de lui que je veux faire ce métier-là ou peu importe? Oui, je vais essayer de faire ce cours parce que il y en a beaucoup. mais mettons, si on y va, mettons, je vais faire deux parties, Hollywood-Québec. Ouais, fait que mettons, à Hollywood, Johnny Depp m'a toujours impressionné par son jeu physique. Okay. Puis j'ai trouvé que je trouve... Pirates des Caraïbes? Ben, par exemple. Ouais. Mais tu sais, Charlie et la chocolaterie, il y a toujours... À un moment donné, il jouait Charlie Chaplin. Il a tellement fait de trucs où il joue justement avec son physique. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui osent faire ça. Puis lui, il ose faire ça. Il utilise énormément son corps. Énormément. Ouais. Fait, film avec le... Tu sais, les Édouard, ben oui, ouais, Édouard aux mains d'argent. Tu vois, j'aurais dû dire ça en premier, Colin. Tu vois, Édouard aux mains d'argent, il parle pas. C'est que du jeu physique. Il est bon, il est vraiment bon là-dedans. Super bon. Les expressions faciales, tout full, ça. Full. Fait que tu vois, pour lui, j'aime beaucoup ça. Après ça, DiCaprio est un maître de l'émotion. Selon moi, il n'y a aucun autre acteur qui peut autant aller dans une émotion à 100%. Il est insane. Moi, c'est mon inspiration première. Là. Parce que j'adore ses films, mais il joue dans les plus grands films, of course. Ouais. Mais tous les films qu'il fait sont exceptionnels. Quand il va dans une émotion, il ne va pas à 80%, il va à 100% à fond. Tu sais, quand tu es un jeune acteur, tu te fais toujours dire, genre, faut pas que tu parles fort, faut que tu joues tout petit et tout. Tu regardes Léo, là, il te donne des émotions. Là. Ouais. Tu fais comme, OK, mais on peut aller jusque-là. Fait que ça, c'est une inspiration. Puis je dirais, troisième étape, la nonchalance de Brad Pitt. OK. Ça, là. Charismatique comme gars. Charismatique. Ouais, tellement charismatique. Puis il y a cette espèce de désinvolture, de genre, m'en sac. Puis ça n'en prend quand t'es acteur aussi, de pas sentir que t'es stressé puis que tu joues. De sentir que t'es très laid-back par rapport à tout ça, tu sais. Ça, c'est des traits de personnalité un peu innés chez eux. Oui, chez lui, oui, il joue avec ça parce qu'il l'a dans le chaque avantage, t'sais. Chaque trait de personnalité que tu viens de nommer de chaque personne, comme Leo, il y a exactement ce que tu viens de nommer. Je pense que c'est plus inné, ces affaires-là. Oui, vraiment. Après, tout ce travail extrêmement. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est des inspirations, tu sais.
Puis au Québec, je vais juste nommer deux noms. Guy Nadon, pour moi, est un maître du jeu au Québec. Là. Il a tellement une assise, un aplomb. Il est solide comme acteur. Genre. Même en doublage, il est solide. Surtout en doublage. Ouais, il est complètement insane en doublage. C'est incroyable. Puis je vais dire Benoît McGuinness aussi, qui il vient de gagner un Gémeaux cette année d'ailleurs. Mais il est pas très connu dans le monde de la télé, mais il fait énormément de théâtre. Puis tu viens d'aller voir c'était qui Guinadon? Ouais, j'étais allé voir, j'ai vu sa face, j'étais comme ouais, c'est ça. Mais puis Benoît McGuinness, j'ai joué une fois avec lui au théâtre, puis justement il m'avait dit à l'école de théâtre, il avait compris cette affaire-là que tu peux aller loin dans des rôles. Tu sais, au moment où tu te dis genre là j'en fais trop, tu te dis qu'est-ce qui arrive si j'y vais plus encore? Puis lui, c'est une machine au théâtre. Là. Il joue des Shakespeare comme si c'était Virginie le téléroman. Là. Pour lui, c'est tellement naturel. Puis comme tu ris dans un drame parce que c'est trop naturel. Okay. Genre, t'es là, ben voyons, comment il met cette poésie, cette texture-là dans la bouche avec avec ce naturel-là, c'est impressionnant. Là. Vraiment impressionnant. Tu t'es hot. Ouais, voilà, tu dégages vraiment quelque chose, un grand intérêt, une grande passion pour l'acting. Ah, absolument. Tellement. Ça donne, mais c'est pour ça que quand vous m'avez invité pour parler de ça, ouais, je suis bro, je vous avais combien de temps? N'importe quoi. Je suis passionné de ça. C'est bien parce que si tu discutes de ça avec des personnes qui s'y intéressent peut-être moins, ça donne le goût de s'y intéresser. Ouais, ouais. OK, fait ouais. Puis, oh non, qu'est-ce que je dis en fait? Il se cache. L'air de sa chemise. Je m'en souviens plus. Ah oui, c'est dit clairement, t'as une passion. Une passion, oui. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Puis je trouve ça le fun que vous posiez ces questions-là parce que je trouve qu'au Québec, il y a énormément d'émissions de variété où on invite des artistes. C'est super. Mm-hmm. Sauf que l'affaire, c'est qu'on parle souvent de leur garde-robe, de leurs animaux, de genre on leur fait des jokes, des quiz. Ouais. Mais on parle pas de leur métier. Mm-hmm. Genre, les gens à la maison, ils savent peut-être pas comment ça marche sur un plateau de tournage. Puis je suis comme, mais pourquoi on parle pas ça d'habitude? On aime faire un peu de tout, je pense. Oui. C'est bien, lui, il aime ça. Bondi, il va poser des petites questions tantôt. C'est plus sur ta personne. Be ready. Le temps de se dévoiler. Mais tu sais, moi, je suis tellement un homme curieux. Fait que l'acting, c'est tellement un monde très, très, très large. Puis aussi mystérieux. Ouais. Que pour les curieux qui nous écoutent, oui, il y a plein d'informations avec notre petit Guillaume. Yeah. Magnifique. Fait que voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Nice. Très bien. Ben regarde, pourquoi pas, ouais, parce qu'on a chacun des questions qu'on pose à tout le monde, à chaque fois. Mais je t'ai demandé quelque chose qui ressemble un peu à ça tantôt, mais t'as peut-être une autre réponse à me donner. Vas-y. As-tu ça, un talent caché? Ah, oh my god, un talent caché. Les filles. Ah non! Oui. Mes parents, je suis né dans... Mes parents étaient dans le cirque. OK. Fait que comme j'ai des skills genre de jonglerie, faire des équilibres. Tu sais, c'est pas que j'ai jamais suivi de cours, mais on dirait que c'est comme un inné puisque j'ai observé mes parents pendant longtemps. T'as grandi là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que j'irais peut-être... Ouais, ce petit talent-là. Ouais. De... Hey, tantôt, je veux te filmer en train de jongler avec des gourous. Oh, OK! Ça serait un bon petit peu. On va essayer. Drôle, ça. J'aime ça. OK. C'est un deal. Absolument. Fait que ouais, ça serait ça. Ah ben c'est cool. Fait que si jamais il y a des gens qui sont intéressés avec un jongleur professionnel. Ah, n'importe où. Ouais. Des mariages, des fêtes. c'est ça. C'est le joke. Peu importe l'événement. Ta deuxième question, Bondu, sur j'imagine le cirque, ça a tellement dû t'amener ta perspective, voir comme, ça m'intéresse l'acting. Ben oui, ben puisque c'est un art c'est comédien aussi. Oui, dans le cirque, genre les gens le savent peut-être pas, mais il y a beaucoup d'acting. C'est de l'acting d'une autre façon, là. C'est du jeu physique. Là, on parlait de Johnny Depp tantôt, là, c'est comme fois 15. C'est 100% physique. C'est 100%, il n'y a pas de parole. Ouais. Mais oui, souvent, ils essayent, dans les cirques qui sont le plus intéressant, ils essayent de trouver des personnages, justement, aux acrobates, pour que le public puisse suivre une certaine histoire. Mm-hmm. Tu sais. Mais oui, c'est sûr que le cirque m'a un peu comme imprégné l'art de la scène, l'art vivant, l'art en général. Ouais. Tu sais, il y a comme... ouais, c'est ça. Tes deux parents sont dans le cirque, non? Ils étaient. Okay. Là, mon père est encore. Là, il est rendu chorégraphe. Okay. Fait que là, c'est recyclé dans quelque chose d'artistique. Ma mère, elle a changé de domaine et en événementiel. OK. Ouais. Cool. Ouais, fait que c'est ça. C'est ça. On aime ça de même. On aime ça de même. J'en ai un autre pour toi. Vas-y, man. Que je pose à tout le monde. Vas-y. D'ailleurs, une anecdote que t'as peut-être jamais dit devant une caméra ou au grand public. Oh, boy. Et que tu pourrais nous sortir aujourd'hui en primeur.
Que ça soit, que ça soit une petite anecdote de hey, je suis allé au bar puis t'as quelque chose de drôle dans un peut-être un casting en arrière de la caméra. Ouais. Tu sais. Ah, j'avoue que ça pourrait avoir rapport avec le casting en arrière de la caméra. Ça peut être n'importe quoi. Ok, okay, je vais dire ça. Là, ça j'ai jamais dit à personne. Mais c'est pas si crunchy. Là. C'est pas grave, c'est ça peut être drôle. Mais c'est qu'à un moment donné, je n'aimerais pas la série. Là. Mais on avait 4 nuits de party à tourner. Ok, ok. Fait que là, des nuits. Des faux parties. Mais... Ouais, ouais. Mais c'est qu'on tourne de nuit. Fait qu'on tourne de 4h le matin à. 4h l'après-midi à 5h le matin. Oh, jusqu'à temps que le soleil se lève, dans le fond. Wow, là, là, ils peuvent plus. 4 jours de suite? Ouais, 4 nuits de suite. Quand même. Hey, ouais. Puis là, tu tournes comme un party. Fait qu'à un moment donné, l'euphorie du party s'imprègne un peu en toi. Puis je me souviendrai toujours que la quatrième nuit, ben j'avais moins de textes. Puis je m'étais amené du vrai alcool pour mettre dans mes faux drinks. Okay. Fait que je me rappelle que j'avais tourné un petit peu sur un plateau professionnel. Ah ouais. Chose à ne pas faire, mais je l'ai fait une fois. Puis, Mais c'est ça, j'allais te demander, est-ce que ça arrive qu'ils mettent les vrais alcools ou peu importe? Non. Il y en a peut-être des plateaux, en tout cas, que j'ai pas connus. Oh, pardon. Peut-être, mais en tout cas, dans les plateaux que j'ai connus, ils veulent pas. Mais si Brad Pitt, il veut boire son whisky, il va le boire. À Hollywood, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, mais pour vrai, oui, il y en a. Puis il y a beaucoup d'acteurs hollywoodiens qui arrivent sur des plateaux, justement, comme. Tu sais, ça dim down le stress pour beaucoup. Ben, l'alcool, c'est pour ça que je le disais, en fait. Puis au Québec, je nommerai pas de nom, mais il y en a. Il y en a qui aiment ça prendre des drinks pour, comme, déstresser, puis être un peu laid-back, puis lazy, puis. Ouais. Mais, c'est pas quelque chose, tu sais, comme du commun. Si on te pogne à faire ça, tu sais, ça se peut que tu retravailles plus avec cette prod. C'est très mal vu, tu sais. Je comprends. Mais non, mais je me suis dit surtout pour une scène de party, mettons, ça aurait qu'il le fasse pour justement mettre la vraie ambiance dans la place, mais Non. Et puis même ça veut dire que les scènes de party, c'est vraiment du acting incroyable aussi là. Ben regarde, je vais pousser plus loin les scènes de party parce que j'en ai tourné une couple. Mais dans les scènes de party, il n'y a même pas de musique. Ben, fait c'est ça. Faut s'imaginer qu'on crie, on crie plus fort parce qu'on s'imagine qu'il y a de la musique. Faut quand on danse. Il n'y a pas de musique là, quand on danse. Fait que tu danses puis tu sais pas trop ça va être quoi la musique qu'ils vont mettre au montage. Tu essaies d'espérer que c'est bon. Ils en mettent pas une petite au background juste pour te dire comment. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre une musique avant qu'on tourne. Ils vont mettre, mettons, qu'est-ce que vous voulez entendre. Fait que là, on va dire, je sais pas, une tune One More Time de Daft Punk. Fait que là, mettre One More Time. Là, ils disent, on coupe la musique, on y va dans 3, 2, 1, action. Puis là, au moment où il y a action, la musique coupe. Mais au moins, t'as le rythme. C'est comme t'as entendu, tu t'es mis dedans. Okay. Tout le monde est à peu près dans le même beat. Exactement. Il faut que ça fasse du monde. Exactement. Ouais. Puis tu sais, ce qu'on fume, c'est souvent du thé ou une espèce d'herbe qui se fume qui est vraiment pas, qui est pas du tabac ou qui est pas du pot. Dans quelques séries, j'ai d'ailleurs fait de la cocaïne aussi. Puis la coke, c'est comme... ils mettent ça comme placebo dans des pilules en pharmacie. Fait que ça fait absolument rien. Puis c'est une mais ça rentre dans ton nez quand même. Ça rentre dans ton nez, mais ils mettent de la vaseline pour qu'il y ait le moins possible qui rentre puis que ça colle dans les parois de ton nez. Puis les maquilleurs, ils t'attendent après puis ils ont du sinus rinse. Parce que tu le fais quand même, pas vrai. Non, dans tes... Ouais. La série C'est comme ça que je t'aime, il témoignait, à tout le monde en parle justement, que sur le plateau, ils en ont fait énormément dans les scènes, puis que ça créait des sinusites puis tout, parce que tu le fais pour vrai là, quand tu y penses, tu sais, t'as mal au nez, tu l'échanges puis t'apportes ta vraie drogue. Ouais. Dans Anna et Arnaud, on faisait du crack, c'était des cubes de sucre. Genre on avait des intervenants dans des piqueries justement qui étaient là sur les plateaux pour checker le réalisme de tout ça. Puis ils disaient que ça ressemblait vraiment à ça, genre. Mais tu te plantes-tu une aiguille? Ouais, mais c'est comme à l'Halloween, c'est des fausses aiguilles que l'aiguille rentre dans ce ring. Dans ce ring, là, tu sais, c'est la même affaire. Mais c'était quelque chose de la faire, cette scène-là, oui, parce que tu sais, tu t'attaches le truc, puis t'as quand même l'impression de le faire pour vrai, là, tu sais. Ça revient à ce que tu disais tantôt, que tu sors de là, puis oups, ouais. Comme, c'est pas moi, ça. Non, c'est t'es vraiment émissé dans ce monde-là. Comme je dis, il y a des intervenants qui nous parlent, puis eux, c'est des anciens héroïnomanes. Puis ils nous parlent de cette réalité-là. Puis tu retournes chez vous, t'es comme... J'ai vécu quelque chose. C'est ça, j'ai fait une expérience. Ah ouais, c'est une expérience. OK. Fait que ouais, c'est pour en revenir à l'anecdote, ça paraît peut-être rien pour les gens à la maison, mais comme être un peu tipsy sur un plateau, c'est... Ben ça a amené plein de choses intéressantes. Ouais, le fait qu'il n'y ait pas de musique, qu'il danse dans le bar. Ah ouais, non, c'est spécial. Absolument. C'est
Ah oui, c'est toi, c'est lui les questions en rafale. Bah peu importe. Ah oui, là il y en avait une coupe puis il voulait se poser. J'ai shooté deux. Ouais, moi j'en ai une en tête, ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est ça, réfléchis pendant ce temps-là même. Est-ce que c'est dur de rester dans le domaine de l'acting longtemps au Québec? Tu sais, parce que tu as eu une série, Sarah, qui a vraiment été, je pense, ta meilleure série pour l'instant. Haute démolition, ça va être quelque chose. Hein? Ouais. Mais, okay. mais pour l'instant, elle n'est pas sortie. Fait que pour l'instant, ça va. Cool. Ouais. Ben, content pour toi. Merci. Puis, c'est ça, rester dans ce domaine-là, ouais, quand il y a peu, beaucoup de candidats, peu d'élus. Mm-hmm. Est-ce que c'est dur au Québec? Vraiment. Ouais. Vraiment. Puis, c'est le fun que tu poses la question, mm-hmm, pour peut-être le dire aux gens. Si... Parce que même quand tu es élu, oui, tu peux être élu pendant pas longtemps. Pendant pas longtemps. Exact. C'est... Puis t'sais, Antoine Bertrand est dans la même agence que moi, puis dans un party d'agence, à un moment donné, il me dit, tu sais, Guillaume, moi, j'ai pas travaillé pendant 4 ans à un moment donné. Puis ça change pas qu'il était full connu. Là. Il avait déjà fait les Bougons, fait qu'il était super connu au Québec, mais il a quand même eu un temps mort là-dedans. Puis c'est pour ça que des fois, je trouve ça drôle, parce qu'on idolâtre ce milieu-là, puis on dit, hey, je suis en nomination Gémeaux ou artiste, nanana. Mais selon moi, la meilleure tape dans le dos que tu peux avoir, c'est de travailler à chaque année. Ouais. C'est pas tant de recevoir un trophée pour une... Tu sais, c'est le fun. Je dis pas que c'est pas le fun, mais c'est super le fun. Mais c'est ça. Ça, c'est un bon défi de... En fait, là, c'est... si tu passes des auditions, tu restes dans le milieu. Okay. Mais le jour, il y a une année où tu passes une ou deux auditions, tu fais « Ouh, là, ça va pas bien. » Ouais, puis là, tu stresses. C'est ça. Mais si tu passes 10 auditions, t'en as aucune, mais t'as quand même passé 10 auditions. Puis ça, okay, c'est... ça veut dire que le monde, il pense à toi. Ça, ouais, ça c'est important. Okay, je comprends. Fait que oui, tu sais, comme il y en a qu'on voit tout le temps à la télé, mais faut se dire qu'il y a des années plus creuses. C'est ça le défi de ce métier-là, en fait. C'est de rester là sur le long terme. Je trouve que tu as bien amené la question. Ouais. Puis là, c'était en quelle année pour Sarah? 2015. Okay. Ouais. Là, tu m'as dit, je me rappelle, tu m'en avais parlé un peu quand on était au bord. Oh. Puis ça m'a remémoré les discussions. Vas-y, vas-y. Puis tu me diras ce que tu veux dire, ce que tu veux pas dire. Ben, vas-y, vas-y. Tu m'avais dit justement, t'avais eu un gros hype, tu sais, parce que veux pas, ça t'amène beaucoup de popularité un petit peu au début. Quand c'est ton premier rôle, c'est sûr que veux pas, t'es content, t'es un peu dans le hype. Tu m'as dit que t'étais parti en voyage pendant un certain temps. Ouais. Puis que. Comment tu m'avais expliqué ça? Tu m'avais dit, tu avais une grosse hausse, puis peut-être une baisse après pendant une couple d'années. Oui. Puis là, oui, ça t'a porté à réfléchir beaucoup. Oui, beaucoup. Ben, en fait, c'est que je trouve que l'École nationale de théâtre m'a amené le fait que c'est un travail. T'sais, ça revient un peu à ce qu'on disait au début. C'est pas pour être célèbre. Là. C'est vraiment pas ça. C'est un métier. C'est ça. Mais après, pour Sarah, qui a eu 1,9 million de codes d'écoute, à ce moment-là, c'était comme l'émission la plus regardée. Il n'y avait pas de temps. Instagram n'était pas encore à son pic à ce moment-là. Fait que ça restait beaucoup dans les bars, dans les autographes, les photos. Il y a même une fille, à un moment donné, à Lauzone, à Québec, qui m'avait dit « signe mes seins ». Tu sais, je veux pas, il y a comme un... C'est beaucoup. Tu fais, oh boy, c'est beaucoup en même temps. Beaucoup en même temps. Tu sais, j'avais 24 ans, c'est beaucoup à recevoir. Puis après ça, vu que j'avais fait l'école de théâtre, j'étais comme, wow, attends, j'ai pas envie de m'enfler la tête. Fait que je suis parti en voyage. Ouais. Puis en voyage, t'es personne. Fait que ça a comme ça... Puis comme je dis... Ça t'a remis les pieds sur les idées au clair. Vraiment. Puis c'est pas parce que je m'enflais la tête, c'était juste, j'ai pas envie d'aller là. Fait que puis je trouve que les voyages, c'est vraiment un bon moyen justement de redescendre sur terre puis de faire comme hey, attends là, c'est pas ça ma vie là. La vie c'est plus large que ça là, tu sais. Ouais. Puis après ça, j'ai eu une couple de contrats encore, puis ça a été l'année avant la pandémie, donc je pense 2018 à 2019 où là j'ai eu zéro contrat. Ah ouais. Puis c'était là que c'était vraiment difficile. Séquence. Oh fuck. 12-48. Ça a dû venir avec zéro contrat. Nice. Cool. Fait qu'on disait, c'est ça, t'as eu 2018-2019, aucun contrat? Ouais, aucun contrat. Ouais. Puis ça remet les pendules à l'heure aussi. Ce que je disais, que je suis comme, oh, c'était mon premier, depuis ma sortie de l'école de théâtre, c'était mon premier creux. Puis je me le faisais dire qu'à un moment donné, ça allait venir, mais le vivre, c'est vraiment différent. Ça a claqué. Mm-hmm. Ouais. Puis quand t'es acteur, tu fais beaucoup d'argent one shot, mais après, ça veut pas dire que tu vas avoir d'autres contrats. Ouais. Donc c'est ce gros. Payé aux 2 semaines. Non, c'est ça. Fait que tout l'argent que t'as fait, faut que tu sois intelligent avec. Mm-hmm. Puis pendant mes années folles, je vais les appeler comme ça, j'ai pas fait attention. Ouais. J'ai acheté un condo, j'ai voyagé 4 voyages en 2 ans. J'allais dans les restos les plus fancy, je sortais tout le temps. À un moment donné, le compte il baisse, puis j'avais plus de contrat, puis j'ai comme pas calculé ça. C'est une bonne leçon.
C'est une très bonne leçon. Chose que maintenant, je ne referai plus. Grâce à ça, je veux pas. Encore, on parle d'expérience de vie. Ça aurait été constructif. C'est ça, c'est ça. Fait qu'après ça, c'est... ça m'a permis de faire plein d'autres. J'ai été suppléant dans des écoles primaires. Okay. J'ai travaillé justement avec ma mère en événementiel. Cool. Ça m'a fait découvrir plein d'autres réalités. Puis encore une fois, c'est que je mets ça dans mon pack-sac d'acteurs. Puis je fais, certain. Si j'ai à jouer un prof, je l'ai fait pour vrai. Ouais, fait que genre pour moi, ça va être instinctif. Ou l'événementiel, jouer un régisseur, whatever. C'est, pour moi, essayer tout dans la vie, ça fait partie d'essayer de mettre dans mon pack-sac d'acteurs. Quoi. Incroyable. Ouais, c'est une bonne façon de voir le fait que tu aies travaillé vers d'autres choses. Ben oui, non, faut mettre son ego de côté puis faire comme ça arrive pas à toutes les années d'avoir des gros contrats. Même mon plus gros acteur du Québec, là, j'y connais, puis il y en a qui travaillent pas des années, puis ça veut pas dire que t'es pas bon. Ça veut juste dire c'est pas cette année. Il y a eu des rôles pour d'autres mondes, pas pour toi. Ça sera l'année prochaine. C'est pas parce que t'as crashé ou parce qu'il y a eu une baisse de talent, parce que t'as juste pas le. Dans les, je sais pas comment t'appelais ça, là, mais ben les castings. Les castings. Exactement. Quelqu'un vraiment très précis. Là. Exactement. Un blond avec les yeux bleus de 6 pieds 3. Puis... Exactement. On est vraiment à la merci de notre casting. Ouais. Hein. Je peux pas changer de quoi j'ai l'air. Puis des fois, ben, ils veulent pas ce casting-là. Fait que tu sais, il y a comme un quand même un 30%, je te dirais, du rôle que c'est que ça fit avec ton physique. C'est aussi, un peu, le hasard. Il y a un peu de ça. Il y a le talent, mais il y a le hasard aussi. Ouais. Vraiment. Ça part avec du hasard, puis après ça, c'est le talent. Qui exactement, a... exactement. J'aime c'est ça. Drôle parce que je regarde souvent les castings qui affichent Casting VTB. Ouais. Puis là, à chaque fois, je suis comme il cherche genre un Indien de, entre 20 et 25 ans, genre qui est au Québec depuis pas longtemps. Je suis comme, OK. Ouais. Je regarde les autres, des kids entre 14 et 16. Je suis comme, c'est tellement précis. Puis maintenant, avec tout le changement de paradigme dans notre société par rapport à. Le multiculturalisme. Hey, c'est un mot impossible à dire. En tout cas, toutes les cultures, on va dire ça comme ça. Mais tu sais, maintenant, ils mettent même recherche caucasien, tu sais, recherche quelqu'un de la communauté LGBTQ+. C'est très. Ouais, c'est exactement c'est de ça, plus en récemment. Plus précis. Ouais. Puis c'est quelque chose d'extrêmement correct aussi parce qu'il faut les voir à ouais, l'écran. C'est bien, c'est juste inclusif. Que, c'est ça. Sauf que là, c'est de plus en plus précis sur notre casting, justement. Incroyable. Incroyable. Ça me. T'as parlé. Ben, je sais pas. T'es-tu. Stressé ou quoi? Non, vas-y. C'est une belle question qui s'offre à vas-y, ce vas-y. C'est ça. T'as parlé de. Je veux pas dire n'importe quoi, mais peut-être problème financier. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui tu vis de ça? Ouais. Ouais. 100%. 100% de ça. Depuis ma sortie de l'école, même si j'ai eu une année plus creuse. Ouais. J'ai quand même toujours juste vécu de ça. Après ça, quand j'étais allé en suppléance et tout, c'était pas assez pour... C'était temporaire, c'était... Non, mais c'était juste pour... Ouais, c'était juste pour avoir du luxe dans ma vie, de pouvoir sortir au restaurant. Mais l'argent qui paye mon hypothèque puis qui est fait pour ma vie, les fondations de ma vie, ça vient de mon acting. Okay. Depuis toujours, depuis le... Depuis ma sortie de l'école, je veux dire. Ouais, donc, depuis que j'ai 24 ans, là j'en ai 31. Ouais. Depuis mes 24 ans, ça a juste été ça. Ouais. Puis... Mais avant ça, c'était, on me donnait des petits rôles puis des trucs. Je pouvais pas vivre uniquement de ça, mais ça te donne des bons cachets quand même. C'est ça. Puis, question très, très précise. En tant qu'acteur, je regarde la caméra parce que c'est une belle séquence sur TikTok. En tant qu'acteur, ça paye combien une série? Par épisode ou par série en moyenne? Ça dépend. OK, ouais. Attends. Ça se pose-tu comme question? Je sais pas. Il m'a l'air d'être en train de répondre. Regarde, je vais pas répondre personnellement. Je vais vous dire les cachets de l'Union des artistes, qui est notre syndicat, l'Union des artistes, l'UDA. Dans le fond, un rôle principal, salaire minimum pour un premier rôle, c'est 1 000 $ la journée de tournage. Yep. Okay. Puis après ça, plus tu as l'expérience, plus ton agent négocie plus que 1 000 $. Mais après ça, un tournage, si t'es le rôle principal d'une série, ça se peut que t'aies 50-60 journées de tournage. Okay. Si t'es un premier rôle, mais que t'es pas le rôle principal, ça se peut que t'en aies 25-30. Puis quand tu dis journée de tournage, ça peut être une journée que t'es là 2 heures, puis une autre que t'es là 14 heures ou quoi? Exactement, t'as bien dit. C'est ça, peut-être que les gens à la maison ne le savent pas, mais une journée de tournage, en général, c'est 12 heures de temps. Okay. Puis ça, c'est sans compter le 1 heure avant que j'arrive pour me faire maquiller et coiffer. Là, okay. Qui est pas payé. Ah, c'est généralement d'autres. Qui est inclus dans le mien, mais je veux dire, c'est pas une heure où je suis sur le plateau non, de tournage. Ça, je suis comme dans les loges en train de. Ouais. Bref. Fait que c'est 12 heures. Fait que des fois, t'arrives, t'as une scène où tu parles même pas. T'es payé le même salaire
que si tu viens, que tu es dans toutes les scènes, tu es là pendant 12 heures. Tu parles d'un stop, ouais. Non, okay, OK. Fait que nice. Il y a des journées ça payantes, puis il y a des journées où tu travailles fort pour ton cachet. Là, vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. Mais après ça, il y a les deuxièmes rôles, les troisièmes rôles, et les troisièmes rôles muets, les figurants, puis là, ceux, eux, ils ont d'autres. T'sais, je sais pas si tu peux juste vivre de ça. En tout cas, les premiers rôles, tu peux juste vivre de ça par le fait que c'est quand même bien payé. Mais encore une fois, il faut un acteur qui est payé salaire minimum, le 1000$, il faut quand même qu'il fasse deux séries par année s'il veut vivre dans vraiment bien. Je veux dire, une série, tu vas vivre bien, mais deux séries, tu sais que tu vas t'as une très bonne année. T'sais. OK. Parce que c'est ça, moi j'avais vu, encore une fois, je ne me rappelle plus de son prénom, la fille qui avait fait Stranger Things, l'actrice principale. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, exactly. Elle faisait, je pense, 100 000 par épisode de Stranger Things au début, puis après, je pense, ça montait, mais ça tournait autour de ça. Mais là, c'est t'amènes quelque intriguant. Chose de... Oui, ben attends, Hollywood, c'est vraiment une autre game. Mm-hmm. Au Québec, je l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'argent, c'est pour ça. Je veux dire, pas nous, on n'a pas l'argent, mais je veux dire, les subventions sont tellement minces comparées à Hollywood que nous, il faut tout faire vite. Puis bon, évidemment, les comédiens, on est cop de ça. Mais tu sais, les plus grands acteurs québécois, moi j'ai entendu, c'est genre à peu près 5 000$ la journée de tournage. Ouais. Entre 5 et 6 000$ la journée de tournage. Ce qui est on est loin de Millie Bobby Brown. Ouais, ouais, tu comprends? Puis ça, c'est les tops au Québec. Ouais, là. Ouais, ouais. Mais c'est parce qu'à Hollywood, ça marche par le privé. Ah ouais. C'est sûr que c'est différent. Ils savent qu'eux, ils vont avoir. C'est un investisseur qui va investir des millions, puis il va faire. Ben, je sais que je vais avoir un rendement avec ma série ou mon film. Ah ouais, c'est des investisseurs privés. Ouais, c'est tout privé. Ok, puis là, c'est public dans le fond. Québec? Ici, c'est public. Ah, ok, ça a toujours été. C'est pour ça qu'on chiale. C'est un business qui cherche des financeurs. Ouais. Puis là, le gars, il prend un pourcentage à la fin. Exactement. C'est toujours ça. Codes d'écoute. Tandis que. C'est cool. C'est un bon principe. Tu veux dire à Hollywood? Ouais, ouais, exactement. Oui. Sauf qu'au Québec, on pourrait pas faire la même chose parce que les films au Québec font pas assez d'argent ou les émissions font pas assez d'argent pour pouvoir que ce soit un investisseur privé. Donc, on a le gouvernement qui investit là-dedans, chose qui est merveilleuse, sauf qu'ils investissent pas assez. C'est pour ça que les artistes, on est tout le temps en train de chialer qu'on veut plus d'investissement dans l'art. Ben, c'est justement pour ça. Vous voyez de plus en plus à la télé, il y a une qualité des séries qui commence à venir au Québec. Ben, juste District 31, c'est vraiment... Non, mais dans le sens où... Mais là, en anglais, selon moi, ça peut être une série américaine. Ben, c'est exactement comme... Ça va être l'équivalent... District 31, c'est l'équivalent de CSI, mettons. Ouais. C'est dans ces équivalents-là. Moi, personnellement, si tu veux mon opinion, c'est pas ce que j'appelle la télé de qualité. OK. Je comprends, c'est de la... J'appelle ça de la télé McDonald's. Dans le sens que t'as besoin de ces émissions-là. Tu veux te tourner le cerveau off, tu veux pas te poser de questions, tout est dit, tout est simple, tout est fait. Ouais. C'est pré-fait, c'est du pré-cuit. C'est une série générique. Exactement. T'entends ce que tu veux entendre. C'est, exactement. C'est ça, puis il en faut. Je suis pas en train de chialer contre ça. Là. Je dis juste que, selon moi, c'est pas ce qu'on appelle la télé de qualité. Okay. Télé de qualité, il y en a pas beaucoup, mais ça commence de plus en plus. Cette année, on a Avant le crash, qui est à Radio-Canada. On a Chouchou, qui est sur Nouveau. C'est de la qualité, de la bombe. Ça, là, t'importes ça, puis ça peut gagner des prix. C'est super bon. On a eu Série Noire, C'est comme ça que je t'aime. On a eu Fugueuse. On a eu Pour Sarah, si je veux plugger mes émissions. T'sais, on a eu plein d'émissions comme ça où ça, selon moi, c'est vraiment la télé de qualité où il y a eu beaucoup de subventions. Ça, c'est les émissions les plus que le gouvernement investisse le plus, là, t'sais, justement. Moi qui écoute pas beaucoup de Québécois, ben de séries québécoises, Fugueuse, c'était vraiment comme le top, je trouve. C'est dur à battre. Que j'ai vu, C'est dur à battre parce que c'est une série qui regroupe, qui parle autant aux jeunes, qui parle aux ados, qui parle à la vingtaine, qui parle à la trentaine, qui parle à toutes les âges. Mm-hmm. Puis ça, on voit pas beaucoup ça dans les séries. Souvent, ça s'adresse à un public très niché, tu sais. Mais Fugueuse, vraiment, puis ça parlait d'une réalité qui est tellement proche de la nôtre, mais qu'on connaît pas. C'est fait avec un rapper qui était dans l'actualité. Dead Obies. Il mettait ses tunes, il faisait des tunes pour la série. C'était vraiment ancré dans ce qui est actuel. Puis ça, souvent, on en veut plus des affaires comme ça, tu sais. On est good? Oh oui, okay, okay. Mais encore une fois, je sais que tout le monde, je veux juste me rattraper là, sur le fait que tout le monde écoute District 31 et moi le premier, j'ai binge-watché la première saison, puis je veux pas bâcher là-dessus, je dis juste j'écoute même pas ça. Non, ça parce que c'est au Québec, c'est très populaire. Ben, c'est très populaire parce que ça nous en prend des séries. Ouais. Comme si on écoute OD, on peut pas dire que c'est de la qualité. Exact. Mais c'est pas pour ça qu'on écoute ça non plus. C'est divertissant. C'est divertissant, puis il en faut de la télé divertissement. Je dis juste que
avec plus de subventions, ils arrivent à faire des séries où tu fais c'est quasiment du cinéma. Là. Ouais. Puis au Québec, ça. On a de plus en plus de réalisateurs qui s'en vont à Hollywood. Xavier Dolan, Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, je veux dire, c'est des gros noms qui sont. Ils faisaient des trucs au Québec. Là, Xavier Dolan, est-ce que c'est lui qui a fait la série avec Timothée Chalamet? Pas la série, le film, là, Dune. Oui, ben, ça c'est Denis Villeneuve. Hey, wow, c'est oui, wow. Oui, Denis Villeneuve est... Non, attends, Denis Villeneuve est une légende. Là. Ouais, c'est fou. Lui, il s'attaque à des gros chefs-d'œuvre. Tu l'as vu, Dune, mon Dieu? Pas du tout. À voir. À voir. Ouais? Oh, ouais. Film c'est, québécois? C'est... Ah, il reste non. pas assez de non. temps, hein? Il reste combien de temps? 11-18. OK, ouais. Je vais y aller vite. Dune est un film qui a été fait à l'époque par David Lynch, qui est un grand réalisateur du cinéma hollywoodien, mais il s'est planté avec ce film-là. Okay. Fait que pour qu'un grand réalisateur se plante, ça veut dire que ce film-là, qui est basé sur un roman, est très difficile à réaliser. Okay. Denis Villeneuve, il s'est attaqué à ça des années plus tard et il a réussi son défi. Puis ça, c'est un Québécois, il faut être fier, hein, s'il vous plaît, de ça. Là. Okay, c'est ça, c'est un réalisateur québécois, mais c'est pas un film québécois. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Okay. On avait fini sur le sujet de Denis Villeneuve. Oui. ce qui me pop en tête, c'est est-ce qu'il y a des acteurs québécois qui vont à l'extérieur du Québec, qui réussissent à sortir du Québec, qui percent dans Hollywood ou dans le monde plus international? Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui réussissent là-dedans, dont Omar Sy. Oui. Ensuite, le Québec, je sais pas de ce côté-là. Il y en a pas beaucoup. On parle d'acteurs, là, c'est ça ta question? Ouais, c'est ça. Acteurs, il n'y en a pas beaucoup. On parle Karine Vanas dans la série Revenge. Elle est partie pendant longtemps, puis elle est revenue au Québec, puis soit elle retourne au Québec. Patrick Huard, y a-tu fait des trucs en anglais? Patrick Huard, je pense pas. Juste bon, comme backup, qui ouais, est en anglais, c'est ça, français. C'est ça. Mais ça, c'est, tu vois, t'sais, nous, on est, le Québec est dans le Canada, puis le Canada parle anglais. Fait qu'il y a souvent des investissements de films en anglais, mais qui sont canadiens anglophones. Ouais, ouais, ouais. Ils sont pas hollywoodiens. T'sais. Mais sinon, il y a justement Marc-André Grondin, que j'ai parlé au début. Ben, lui aussi, là, lui, après Crazy, il est parti à Hollywood, puis il en a fait des affaires, puis c'est impressionnant. Puis après ça, il est revenu au Québec. Puis il y en a un autre, que je me souviens plus son nom, qui joue dans les Tudors, très beau bonhomme. Puis lui aussi, tu vois, il est revenu au Québec il y a pas longtemps. Puis. Ouais, c'est... Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est l'objectif de tout le monde, je pense. C'est un rêve, je pense. Ouais. Est-ce que concrètement, tu peux le concrétiser? Je sais pas. Puis après ça, c'est parce que si tu t'en vas de l'industrie québécoise, ben il y en a peut-être d'autres qui vont prendre ta place. Mm-hmm. Tu peux tomber dans l'oubli. Tu pars puis tu reviens pas, mettons. C'est ça. Puis tu sais, après ça, c'est sûr que si tu t'es essayé à Hollywood et ça n'a pas marché, tu reviens au Québec un peu comme Peter. Ouais. Si ça a marché, tant mieux. Mais tu sais, si ça n'a pas marché, c'est un peu comme hein, je reviens à mon deuxième choix, puis là au Québec. T'sais, on aime ça sentir bon, on est juste ton deuxième choix. C'est ça. Puis après ça, comme je vous l'ai dit tantôt, puis là, t'sais, moi, je parlais du salaire minimum tantôt, mais quand t'es rendu un gros nom, au Québec, là, tu peux faire une série puis t'as fait ton cash. Fait que, t'sais, moi, je verrais pas, si c'est juste financier, pourquoi tu veux aller à Hollywood, je trouve pas que c'est une bonne raison. C'est pour goûter un gros plateau de tournage où t'as énormément de temps, ça, c'est une bonne raison. Okay. Mais ça veut pas dire... Tu sais, à Hollywood, là, ils ont des castings, des lignes de casting, là. C'est pas genre on t'appelle, là. C'est genre présente-toi, il y a un casting pour le prochain Avengers, on cherche un deuxième rôle. Puis là, il y a une ligne d'acteurs qui s'essaye. Oh. Là, mettons aujourd'hui, on a passé 100, on en a vu assez, retournez chez vous. Au Québec, c'est pas ça, là. Québec, c'est gentil. L'inverse. On t'appelle, on veut te voir en audition, tu sais, je veux dire. Ouais. Donc, c'est deux games très différentes, là, tu sais. Le sujet qu'on venait de parler. Ben, on parlait, ouais, des célébrités québécoises qui sont allées à Hollywood. Le gars que je parlais tantôt qui a joué dans les Tudors, il s'appelle François Arnault. Okay. Super beau bonhomme d'ailleurs. Puis il y a une autre qu'il faut vraiment mentionner qui est super bonne, c'est Sophie Nélisse qui a seulement 22 ans. Puis elle se promène entre Hollywood et le Québec. Puis ça marche full ses affaires. C'est magnifique. Cool. C'est magnifique. Fait que voilà. Considères-tu comme un objectif peut-être plus réalisable de faire un genre de Martin Matt qui a fait une série québécoise qui est rendue en France? Oui, si, ben, si on peut importer les choses, ben, tu sais, comme pour Sarah, ça a été importé en France, mais eux, ils l'ont fait avec leurs acteurs puis leur réalisation. Oh, oui, c'est ça, c'est pas Martin Matt en soi qui est en France. C'est mais... ça, c'est ça. Mais ça, c'est sûr que c'est extraordinaire parce qu'on importe des produits québécois. C'est ça. Ça vient d'ici. Faut être fier de ça. Puis l'art fait partie intrinsèquement de notre culture. Magnifique. Donc, faut être fier de ça parce qu'on importe donc la culture québécoise ailleurs dans le monde. Ça, c'est riche. C'est très riche. Cool, mais très petit riche. À petit, on va grandir. Là. C'est juste une question de temps. Chose, chaque chose. Ben, c'est la langue. Il ne faut pas
se mettre des œillères non plus. Mm-hmm. On parle français ici. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a moins de place dans le monde où ça parle français. Mais généralement, nos films, ils vont partout où ça parle français. Puis mm-hmm. même avec les sous-titres maintenant, ben ça s'importe partout. T'sais. Absolument. Yeah. Mm-hmm. Petite question que je pose à tout le monde. Vas-y. Moi, c'est ce qui m'a fait starter à aller voir des inconnus. C'est quoi qui te rend heureux dans la vie, Yon? Ah, oh, c'est une belle question, ouais. Ça. Ah, oh, c'est cute, ça. Je pense que c'est le monde social. De savoir que, justement, que je peux aller rencontrer des nouvelles personnes. De savoir que j'ai des groupes d'amis, que j'ai des amis d'enfance, que j'ai ma famille. Le fait de socialiser, pour moi, c'est un bonheur. Quand je suis tout seul, trop longtemps, ça m'en prend des moments tout seul, mais quand je suis tout seul trop longtemps, j'angoisse, j'ai besoin de socialiser, puis ça me rend heureux de socialiser, tu sais. La communication. Encore une fois, la communication, exactement. Nice, man. Ouais. Yeah. Et voilà. Et, si jamais il y a des gens qui nous regardent, qui sont moins heureux, toi, les conseils que tu donnerais tous les jours, ça serait quoi? En t'adressant, celle-ci. Moi, je dirais, écoutez-vous, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de manger une Kit Kat? Mangez une Kit Kat. Vous avez besoin d'écouter un film triste? Écoutez un film triste. Vous avez besoin de partir en pack-sac? Allez-y. Il n'y a pas de barrière dans la vie. Juste écoutez ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous rend triste, puis faites ce qui vous fait du bien. On vit trop avec des barrières dans la vie. On a le droit de tasser ces barrières-là et de faire hey, le monde est à moi, man. Amusez-vous. Wow. Amusez-vous. Yo, notre métier, c'est ça. C'est le jeu. Nous, on joue tout le temps. Ouais, ça, moi, ça me rend heureux quand je sais que je m'en vais jouer une scène. T'sais. Fait que jouez. Jouer. Là, c'est une bonne barrage. Ouais, j'aime ça. C'est magnifique. C'est un bon segment. C'est pas pire, ça. Ouais, ouais. C'est une bonne question. Quick, là, mon pendu? Ben, écoute. Attends un peu. Là, si je regarde le temps, je vais pas. Non, j'ai une question qui va prendre. Non, c'est ça. 3 jours. Ouais. Il me reste 6 minutes. Je te dirais, est-ce que le fait d'être acteur maintenant, tu disais, tu as eu un rôle pour Sarah qui était. En 2015, où Instagram et tout était moins présent, mm-hmm. est-ce que maintenant, en 2022, tu considères que ça te rend plus confiant, mettons, on va parler d'amour, là. OK, d'amour, on parle d'amour. y a-t-il une différence considérable? T'as-tu vu un changement avec que ce soit les filles, les amis, peu importe? Mes amis, non. Non. Ça, je suis vraiment reconnaissant envers eux de pas. Ouais, c'est ça. Amis, non. C'est sûr que je pense qu'il y a une. Dans le sens que. Mettons une fille sur Tinder. Ouais. On a un match Tinder. Ben, le fait que. Peut-être qu'elle m'ait vu puis que je suis une petite personnalité connue. Ben, elle va peut-être plus avoir confiance à venir me parler. T'sais. Elle va faire genre. Ben, tu sais. Ce gars-là, au pire, tu sais, il est à l'aise pour parler. Ben, c'est ça, il est à l'aise pour parler. Je l'ai vu à quelque part. Ça, tu sais, peut-être ça. Puis ça, c'est mon opinion, je sais même pas. Là, j'ai jamais demandé la question à une fille. Là. Mais je pense juste, ouais, je sais pas. Une facilité à aborder les gens, peut-être. OK. C'est plus facile, tu sais. Ouais. Les gens, ils viennent te voir un peu plus facilement. Moins gêné avec le public. Moins gêné avec le public. Puis moi aussi, j'ai appris à être moins gêné avec les gens qui viennent me voir, justement. T'es très ouvert. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Full ouvert. Puis on se connaît de rien. Puis j'ai toujours dit, genre, ah, Guillaume, il est full ouvert d'esprit. Ah, c'est gentil. Je lui parle, puis ça fait, tu sais, j'ai l'impression de le connaître déjà depuis longtemps. C'est cool. Ça, t'es rentré gentil, ici comme si on était chum depuis. Ouais, depuis c'est 5 ans. On est chum depuis 5 ans. Ouais, exactement. c'est plus simple que ça. Non, mais je vais pas élaborer là-dessus. Je fais juste une parenthèse. Mm-hmm. Tu sais, comme Instagram, c'est fascinant parce que maintenant, chose qu'il n'y avait pas avant quand j'ai commencé, c'est que maintenant, tu peux quantifier la popularité de quelqu'un. Ça, pour moi, c'était peurant. Parce que je connais des grands acteurs. Mettons, Antoine-Olivier Pilon, là, il n'a pas 100 000 abonnés sur Instagram. Là. Et pourtant, selon moi, c'est un des plus grands acteurs de ma génération. Puis je suis comme, ah, OK, ça veut pas dire que tu n'as pas 100 000 abonnés, que t'es pas que lui, il travaille tout le temps. Il a fait des films de Xavier Dolan. Il est allé partout dans le monde avec ça. Et je suis comme, attends, donc Instagram n'est pas nécessairement le reflet de notre carrière. Puis ça, c'est quelque chose à apprendre. Ça aussi, c'est absolument magnifique. Ouais, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, puis des fois, je me compare à des acteurs qui ont beaucoup d'abonnés, puis je suis comme, ouais, mais la game est pas là pour nous. Aucunement là, puis c'est quelque chose à apprendre avec le fait que les réseaux sociaux, c'est rendu comme big. Là, ouais. Un critère, quasiment. Quasiment. Ouais. Je pense que, comme Vrac TV, je pense qu'ils checkaient les nombres d'abonnés. Ah ouais, vraiment. Ouais. C'est un bon message. Ouais. Vraiment.
Fait que, comme conclusion. Ouais. Merci d'avoir écouté ma passion. C'est aller écouter des films, aller écouter des séries. Pour moi, c'est de l'art. C'est important de consommer de l'art, surtout québécoise. Puis c'est génial. Merci de votre écoute. Puis merci à vous autres, les boys. Vous êtes, c'est des très bonnes questions. Bravo. Ça fait plaisir, mon Guy. C'était bien le fun de te recevoir. Merci beaucoup.